excuse pour cette nouvelle vidéo sponsorisée non pas par NordVPN, les Matlaima ou Displet, mais bien les Patreons qui sont un peu les John Hammond de YouTube. Et pour ce qui sera probablement la dernière vidéo consacrée à Starfield, nous allons nous attaquer à l'immersion qui, par bien des aspects, est le parent pauvre de cet excellent jeu. Selon le type de joueur que vous êtes, certains des modes que je vais vous présenter pourront vous sembler ajouter de la lourdeur au gameplay, donc à vous de choisir si vous voulez installer un mode ou non. Notez que je pars du principe que vous avez déjà fait le nécessaire pour activer le modding dans votre StarfieldCustom.ini, installer le script extender et tout ça c'est indiqué dans le guide du modeur Hygienis. Et pour tout ce qui est texture, faites bien ce qui est indiqué au début de la vidéo consacrée aux textures du jeu. Et on commence par le parent pauvre niveau immersion, tout ce qui est spatial, avec Move Visualize Docking, un mode qui vous permettra d'avoir, vous avez les vidéos ici, des éléments de dock. Donc quand vous vous connectez aux stations, on verra tout ça en fin de vidéo, onglet File, Mode Manager Download. Ensuite, on installe, et je vous conseille Semi-Immersive Instant Undocking. Donc, vous aurez une belle animation au niveau du dock, mais quand vous voudrez partir, hop, vous aurez tout ce qu'il faut. Ici, Finish, et voici, dans la même série, hop, More Visualize, ou plutôt More Dramatic Graph Jumps. Ici, pour tout ce qui est les sauts en hyperespace, enfin, en Gravity Jump. Onglet File. Voilà, Mode Manager Download. Immersive Faster Sequence. Finish. On va s'intéresser maintenant à tout ce qui est atterrissage et décollage. Donc, c'est le même genre, hein. Mode Manager Download, toujours, hein, ça rajoute des mini cutscenes in-game, hop, install, semi-immersive, finish. A noter que si vous installez manuellement et non pas avec MO2 Vortex, hein, donc si vous installez avec MO2, vous avez les options à chaque fois, hein. Pour le faux mode, ici par exemple MO2 Manager Friendly, et si vous installez manuellement, il vous faudra suivre les instructions décrites ici. Hop, donc ça vous avez déjà fait normalement, mais installer plugin text et enabler et éditer à la main pour rajouter l'ESP. On passe maintenant à Improve Nat Lettering, hein, tout petit mode, hop, qui vous permettra d'avoir les inscriptions ici en 3D. Les deux cas suffit largement, Mode Manager Download. Ici, quelques petits transit signs pour New Atlantis, hein, toujours en anglais. Donc voilà, avant, après. Un peu plus lisible. Onglet File, Mode Manager Download. Et maintenant, passons aux écrans de chargement avec Sci-Fi Loading Screen Megapack 16.9 et 21.9. Donc si vous avez un écran 21.9, prenez le second. Sinon, Mode Manager Download. Alors notez que ça s'installe automatiquement chez vous, hein, normalement. Moi c'est parce que j'ai bien activé l'option de ne pas installer automatiquement que je suis obligé de le faire à la main. Je l'ai fait pour un meilleur contrôle. Mais par défaut ce n'est pas le cas. Ensuite passons à un mode qui vous permettra de profiter des excellentes musiques d'ambiance de Starfield sans la musique de combat. Onglet File. Mode Manager Download. Et enfin, deux modes qui vous permettront de franciser le premier, donc tout ce qui est panneau du jeu, etc. Donc vous voyez que vous avez un certain nombre de choses, bienvenue à Sidonia, les panneaux, beaucoup de panneaux comme ceci, danger, warning, qui sont traduits et d'autres ne le sont pas. Il faudra attendre la sortie du CK pour que... C'est un mode dont je suis l'auteur, donc pour que je puisse finir le boulot. Mais ça francise pas mal de choses, y compris certains... Voilà, ici, même des vêtements. Paquet de cigarettes. Ici, machine, tout ce qui est trucs médicaux. Affichage de vaisseau.
terminaux, etc. Donc onglet file, il prenait la dernière version. Donc pour l'instant, mon manager download sur le premier et le second. Ensuite, vous aurez bientôt, donc d'ailleurs à l'heure où je publie cette vidéo, j'ai prévu de, je suis encore en test, mais de mettre la version full dimanche. Donc, et enfin un mode dont je suis toujours l'auteur, mais que j'ai pas encore publié, mais que je vous conseille, le lien dans la description, c'est More Easter Eggs. Un mode qui rajoutera, en anglais cette fois, des petits panneaux des Easter Eggs qui vous rappelleront, donc ça remplace certaines affiches, hein, certains éléments de pop culture, tout ça. Je trouve que ça manque un petit peu au jeu. Donc bien sûr, ça aussi, ce sera à améliorer quand j'aurai le CK, quand il sortira. Hein, et je comptais ajouter un petit son. Enfin bon, on verra bien. Ceci dit, quand vous faites, pour l'instant je peux uploader de files, mais de fichiers, et quand vous ferez Mod Manager Download, si vous voulez conserver les textures en français, parce que certaines sont communes, n'écrasez pas en fait. Hein. Donc voilà, priorisez les modes de projet français intégral. Maintenant que tout ça est installé, on va se lancer le jeu et voir à quoi tout ça ressemble. Et nous voici en jeu, et bien évidemment je me suis mangé la mise à jour parce que sinon ce serait pas drôle. Donc du coup j'ai pris le temps de tweaker un peu mes paramètres, de monter un peu la résolution de base, d'activer le DLSS avec Frame Generation, j'essaye. Le E c'était parce que j'essaye de traduire, donc on va voir comment ils traduisent ça, génération de trame. Tiens, on va regarder tout de suite. Affichage, génération d'images, tout simplement. Pourquoi faire compliqué? Donc voilà, j'ai quelques petits soucis de tearing, je sais pas si ça se voit à l'écran. Bien sûr j'ai une perte de performance parce que je capture en même temps. Alors nous voici, en ce qui concerne l'immersion, on va aller dans le vaisseau spatial. Donde está ma vaisseau spatial? Alors voilà, on va commencer par se lever. Quelques petits éléments traduits pour l'immersion. Alors, c'est trois fois rien. Dans le vaisseau, vous allez voir. Ici, cargaison, armillaire. Voilà, ok. Ce genre de petites choses, mais on va aller sur Aquila. On va faire les villes principales avec en essayant de se faire ça en hyperespace. Alors je vous présente mon petit vaisseau, hein, qui est une version modifiée de, vous voyez, hein. Donc, qui est une version modifiée du vaisseau qu'on a. Hop. Suite à la quête que je ne vous spoilerai pas d'ailleurs. Donc voilà, on gagne un vaisseau dans une quête. Mais moi, je l'ai bien customisé. Qu'est-ce que je fais? N'importe nawak. Allez, on va aller sur New Atlantis, tiens, pour commencer. Allez. Gravity Jump. Je m'en veux de ne pas avoir trouvé ça pour le traduire, mais bon. Et voici. Oui, on maintient le cap, voilà. Et c'est terminé. Allez, on va aller à la loge à New Atlantis. On va atterrir. Alors là, vous avez des écrans, hein, qu'on a installés. Non seulement ça change, mais c'est plus joli, je trouve. Ensuite, donc, vous avez sécurité en haut et sûreté. Ici les inscriptions en français, donc ça c'est pour les petits détails, tout est en français, hein, d'immersion, enfin tout presque, hein.
Ça, j'ai bien galéré à le trouver aussi, hein. Rejoindre maintenant. Donc, bon, vous pouvez aller prendre le NAT, le transit bidule, là. Voilà. C'est en 3D. Je ne sais pas si on voit bien. Et aussi ça, qui vous permet d'avoir, donc, au lieu d'avoir levé la tête comme ça, ici, vous avez les indications. Bon, je peux traduire le mode. Voilà. Ici, vous avez ça aussi en français. Ah non. Ah oui, du coup, ça a remplacé. Où je vois. C'était en français. Alors, si vous avez une idée de comment traduire... Ça, je l'ai trouvé, mais j'ai pas trouvé comment traduire ATM. C'est-à-dire, je sais comment traduire ATM, mais ça rentre pas, quoi. Distributeur ou... Quoique, je pourrais mettre cache. Ouais, c'est pas idiot, ça. Vous êtes de bons conseils, hein. Donc, voilà où on pourrait aller. Bon, je vais pas faire les trois villes, c'est un peu... enfin, les deux grosses villes, c'est un peu la même idée. On pourrait charger une... Ah si, on pourrait aller à la loge pour vous montrer un petit peu quelques petits easter eggs. Voilà. Alors j'ai commencé à upscaler certaines textures que j'ai traduites avec l'IA. Sachez que c'est long et qu'en plus c'est payant. Alors voilà, vous avez... Il me semblait qu'il y avait des tableaux dans le coin. Je vous laisse apprécier ça. Voilà, si ça vous rappelle quelque chose. Voilà, ce genre de choses. Une petite station spatiale. Ça, ce sont des... Hein ? Ça, voilà... Ici, c'est pas mal. Alors, vous voyez que j'ai pas fait de VF pour les easter eggs pour l'instant, mais de toute façon, c'est des affiches que j'avais pas remplacées. J'avais pas francisé tout ce qui est affiches de cinéma, tout ça. Je trouvais que ça pétait mieux en anglais, quoi. Donc, après, j'avais francisé ça, par exemple. Donc, voilà, hein, si ça vous gêne d'avoir une affiche en français et une affiche en anglais, ben, n'installez pas, hein. Si vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie de la composition. Affiche de sport, j'ai pas touché, voilà. Tout le reste, il y en a pas mal, hein. Je vous laisse découvrir au fur et à mesure. J'ai refait toutes les affiches de cinéma, toutes les affiches de... Parce que c'était facile, de musique, hein. Donc voilà, hein, ça c'est ce que nous avons installé avec les textures de la dernière fois. Alors j'ai prévu de synthétiser un peu, parce que j'ai fait des vidéos à l'arrache, un peu thématiques, mais j'ai prévu de synthétiser un peu tout ça, en tout cas pour, dans un premier temps, un document pour les Patreons, un guide écrit, hein, qui est mis à jour, hein, avec certains modes qui n'étaient pas disponibles, etc., etc. De toute façon, eux, ça fait longtemps... À l'heure où j'enregistre cette vidéo, qu'ils ont la version finale de ce mode-là, hein, le mode de francisation, parce que vous, si vous téléchargez tout ça, de toute façon, vous n'avez pas encore. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'avais pas publié. Donc voilà, voilà, hein, toujours un petit bonus pour les Patreons, parce qu'ils le valent bien, hein, ils dépensent sans compter, et même s'il y en a qui sont 2-3 qui sont barrés parce qu'ils se sont dit il prend du temps pour faire du modding, et oui, le modding c'est un bouffe-temps. Je suis désolé d'avoir un petit peu ralenti le rythme des vidéos pour éditer des centaines de textures à la main pour vous proposer cela. Bientôt, nous aurons sur la chaîne plein de surprises, pas forcément Starfield, c'est bon, hein, j'ai bien traité, mais vous aurez des surprises du genre d'autres jeux, on va repartir dessus, pour laisser Starfield
pour 2024 pour la sortie du CK. Et j'ai plein d'idées de mode. Vraiment, je trouve que le côté Wing Commander n'est pas assez développé, par exemple. Hein. J'espère qu'il y en a qui ont l'idée de faire plein de missions spatiales, etc., avec des escadrilles. Il y en a un petit peu dans le jeu, mais... Et voilà, enfin bon. Et puis, des easter eggs en objets physiques sur les planètes. Et puis, voilà. Enfin bon. Tout plein d'idées pour ce magnifique jeu. À ciao. Ah bah, puisque vous êtes restés, hein, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça. Hein. J'ai oublié parce que... Je le dis pas, mais la petite cloche et... Bon, ok, ok. Allez, on y va. Et zou. Ouh, j'ai cru que t'étais en l'air. Ah, toutes ces textures-là, même les petits NPC, on les a refaits. Hein? Oui, oui, ça va, on s'en va. Oui. Hein? Bon. Allez, à bientôt.